Salut les mecs. Hello la famille. Ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. Ça fait du bien. Halloween mon gars. Halloween, la nuit des masques. La 1978, masques. John Carpenter les gars. Et que dire de plus, ça part maintenant. Halloween. 1978. 78. Pour les Français, c'est pour vrai. Les Français. Pas pour les Suisses et les Belges, mais non. Bon, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Donc John Carpenter aux commandes. Jean Charpentier. Ouais, son troisième long métrage, mon pote. Et quel long métrage, j'ai envie de te dire, mon petit pote. Bah, c'est celui-là qui l'a expulsé dans le cosmos. C'est vrai. Après, c'est peut-être pas de son meilleur pour certains, mais. Non, mais, c'est quand même une de ses pièces maîtresses, ça, on va pas se mentir. Hein. Bah, entre nous, je crois que, voilà, c'est approuvé. Voilà, mais John Carpenter, comme je l'ai dit avant, c'est son troisième long métrage. Il avait commencé déjà par Resurrection of Brokeby, qui avait gagné un Oscar en plus de ça, ce court métrage. Tu vois. Il est parti après avec Dark Star. Hein. Oui. Avec Dan O'Bannon. Avec Dan O'Bannon, mon pote. Ah oui, faut pas oublier Monsieur Dan O'Bannon, c'est parce ça. Qu'ils étaient potes, les bâtards. Après, chacun, ils sont séparés un petit peu. Voilà. Pour suivre chacun leur petite carrière. Ils se sont embrouillés, faut dire la vérité. Voilà. Ils se sont embrouillés, ils se sont pris la tête. Peut-être à cause d'une femme aussi, tu sais. Possiblement, pas. Qui sait. Tu sais pas, mec. Voilà. Dark Star, donc une comédie qui se passe dans l'espace. Dans l'espace. C'est sympa, il y a une petite ambiance quand même. Il y a une petite ambiance. Après, c'est vrai que l'alien, il est kitsch à souhait. D'ailleurs, l'alien, très kitsch. L'alien, c'est The Shape hein, derrière l'alien. Ah oui, c'est lui, c'est Nick Castle, les gars, qu'on retrouve, qui était déjà là, et puis qui est un super pote à John Carpenter. À John Carpenter, qui avait réalisé aussi le film Denis la Malice. Voilà, je tenais à le dire. Parce qu'on ne respecte pas assez Nick Castle, donc Nick Castle, Denis la Malice aussi. Moi, j'avais kiffé ce film. Je le respecte ravi, Nick Castle. Voilà. Il est parti après ça sur. Assaut. Super, toi, tu kiffes Assaut, toi. Ouais, bien sûr. Kiffes la bande-son, surtout. Je kiffe la bande-son. Je kiffe aussi de nouveau l'ambiance quand John Carpenter sait comment les mettre en lumière. Bon, après John Carpenter, tu vois que même dans Assaut, il y avait déjà ce petit concept western, hein, tu vois, qu'il essayait de. Bah, il est totalement inspiré de War Dogs, son Rio Bravo. On en a parlé que c'était son réalisateur fétiche, qui s'inspire et puis qui l'adore. Mais c'est vrai que il y avait déjà un petit délire post-western aussi dans. Oui, bien dans sûr. Assaut, hein. Avec le commissariat seul exactement, un peu dans la ville, tu sais exactement. Même pas en plus, il y a le délire. Comme un Halloween, de nouveau, on ne cherche pas à te faire comprendre qui sont ces antagonistes. Simple, net, efficace. Tout simplement. Ça marche. Tu ressens déjà sa future touche carpenteresque, j'ai envie de te dire. Donc, Assaut, pas succès planétaire. Pas succès planétaire, mais qui avait fonctionné en Angleterre. Donc, en Europe, Voilà, donc. C'était un certain Michael Myers qui a distribué ce film, hein, d'ailleurs, Assaut. On s'inspire un peu des noms, on repêche un peu par-ci, par-là, pour le futur chef-d'œuvre qui va suivre après, c'est vrai. Et grâce à ce film, quand même, malgré que c'était pas un gros carton, il s'est fait repérer quand même par Irving Yablans. Irving Yablans. Voilà, qui est le producteur, donc... À qui on doit tout un petit peu... Du premier Halloween. Du premier Halloween, exactement. Voilà. Donc Irving Yablans, hein, c'est aussi beaucoup de lui, hein, Halloween. On lui doit le succès quand même d'Halloween quand même à Irving. Quand même. C'est ça. Car il a beaucoup amené, sa touche aussi quand même. Bon, en tant que producteur, bien sûr, c'est John Carpenter qui est derrière le film, mais il a quand même posé quelques bases. Et quelques conditions aussi. Qui ? Tu parles de John Carpenter ? Oui, oui, il avait des conditions, il voulait que son nom soit placé dans le titre. Et ça, je trouve ça totalement correct. Je trouve ça, non, après il y en a certains qui disent « Ouais, mais ça fait un petit peu le mec qui se la pète et tout, alors que c'était pas encore un grand réal. » Pour moi, quand t'écris, tu composes, tu réalises,
Mec, il peut mettre son nom. Exactement. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, il le mérite amplement, parce que c'est vrai que quand tu réalises un petit film à la base et puis il rapporte autant de pognon, qu'on va citer après, mec. Si, tu peux le citer de suite, hein, mon pote. Donc, le budget du film. 350. Voilà, 320K à peu près. Moi, j'avais. Ouais. Ouais. Ouais, bon, on tourne dans les 300. 300 000 $, exactement. Qui a rapporté 70 millions. Ok, donc tu vois, le retour sur Invest, c'est pas mal pour un petit mec qui compose, qui scénarise et qui réalise. Avec ses petites idées et sa petite team de l'époque aussi. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'était novateur. C'était novateur. C'était pas le premier slasher, bien sûr, qu'il y a eu Black Christmas. Oui, il y en a eu d'autres. Mais après, ça a ouvert les portes juste après pour d'autres grosses franchises comme les Vendredi 13. C'est ça. Entre autres, de connus aussi, tu vois. C'est Jason aussi. Il doit beaucoup à Michel, quand même, tu vois. Totalement, bien sûr, mais tous les gros slasheurs, hein, on a eu après les. Il y a eu pour toutes les fêtes, après, tu te souviens, Meurtre à Saint-Valentin. Exactement, Scream aussi, bien sûr. Scream, souviens-toi l'été dernier. Oui, Scream, au moins, a rendu un petit hommage là-dessus. Wes Craven a rendu hommage, donc là-dessus, ça passe. Tenez, c'est ce passage-là. Et puis Halloween en plus, tu vois, c'est une fête un petit peu. Qui marque les gens, tu vois, qui marque les enfants. Ça a un petit charme quand même. Tu vois. Donc, c'est Irving Yablens aussi, justement, qui avait suggéré cette fête, hein, justement. Ouais. Donc, voilà. Et même le côté, bon, John Carpenter avait ce côté déjà un peu suggéré, tu vois, de l'ambiance très simple, très sobre. Bah, Irving Yablens lui avait glissé l'idée comme quoi lui. Irvine, il voulait pas trop de gore. Voilà, il voulait pas de gore. Il voulait pas trop de gore, de nids de sang en mort. Plus lui... dans la suggération. Ouais. Voilà, parce que lui-même était issu de la génération radio. Tu vois ce que je veux dire. Donc il disait, moi, je préfère m'imaginer le délire. Exactement. Exactement. Plutôt que donc de suggérer à l'écran plutôt que de voir. Je trouve ça marche. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y en a qui aiment bien aussi quand t'ouvres du boyau et tout. Mais après Halloween, c'est vrai, ça suffit comme ça aussi, tu vois. Même totalement. Si après, bien sûr. Avec le reste de la licence, on a fait un petit peu tout et n'importe quoi. On va voir ce que t'as dans le ventre. On y reviendra un petit peu après, mais c'est vrai que le premier, c'est totalement différent de ce qui va suivre, même à partir du 2 aussi. Déjà, oui, bien sûr. 78H. Ouais. Balance, qui s'est passé, bordel de merde. Niveau musical. Filmographique. Filmographique. On va commencer avec les films. Mec. Vas-y. J'en ai pris 3, histoire vas-y. De. Balance. Vois, des petits films qui restent dans le genre, tu vois. J'ai pas pris de comédie romantique ou de trucs comme ça. Par contre, en 1978, les gars, on avait le Piranha de Joe Dante, les gars. Voilà. Il avait un bon petit délire, hein, ce petit Piranha. Comme quoi, tu vois, plusieurs poissons. Ça te nique ta race aussi, bien tu vois ce que je veux dire. Les poissons, en plus, c'est Robotine hein, qui les a fait. C'est donc. Ça. Donc, c'est ça nique bien ta race. Ça te nique bien ta race, tu vois. Donc, Robotine, tu vois, malgré tout, qui reviendra après avec Johnny pour son classique des classiques. Après, on a eu aussi le fameux zombie de Monsieur George Romero. Une fois avec Tom Savini cette fois, tu vois. C'est on parle ça. De Robotine, mais il faut placer aussi Sex Machine dans le game, bien tu vois. Bien sûr, totalement. Donc, que dire que c'est un film de légende pour les fans de zombies, les fans de bouffeurs de cerveau et Walking Deader, quoi. Tu vois. Exact. Et on a eu aussi le film de Monsieur Philip Kaufman aussi, l'invasion des profanateurs, les petits potes aussi, qui sortait cette année-là. Donc un film un petit peu plus chépère, mais que je te conseille si tu l'as pas vu, mon petit pote. Non. Donc les gars, c'était pas mal du tout. On s'arrête là niveau film. Vas-y. Ça me semble pas mal, tu vois. Superbe. Ça parle de films d'horreur. Donc, on reste dans le thème. Voilà. Tu vois, c'est ce que tu voulais. Exactement. Monsieur. Donc derrière, après, au niveau musical, les gars, comment parler de 1978 sans citer les trois castrats favoris américains, ceux à la voix aiguë, qui nous sortaient Staying Alive, mon gars, les Bee Gees, bordel de merde. Hein? Super. Staying Alive.
Rammstein. Exact, superbe, superbe son. Après, pour les fans de Grat bien vénère aussi, et puis de Ozzy Osbourne, on avait le 8e album de Black Sabbath qui sortait, bordel. Never Say Die, mec. Ça envoyait encore du pâté où Ozzy Osbourne savait encore parler, tu vois, avant que la drogue fasse des ravages. Sacrifices. As we have Friday night sacrifice to the gods. Comment pas parler du titre I Miss You du groupe de légende, ouais. Les Rolling Stones, les Rolling Stones. Merde. Sortait ce titre phénoménal, j'ai envie de dire, avec un Mick Jagger toujours aussi svelte. Bien sûr. Tu vois, je veux dire, qui dandine. Qui dandine bien du cul. Bon, voilà. S'il en avait un. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas l'atout majeur de Mickey. Voilà. Mais voilà, on devait parler des pierres qui roulent. Super. Super. Donc les gars, voilà. Super. Très bien. Halloween, les gars. Réalisé par John Carpenter. Sorti en 1978. Exactement. Donc, Big John est là, mon gars. Big John est dans la place. Big John est là. Il le montre avec ce long métrage qu'il est là pour croquer, mon gars, l'industrie. Exactement. Et quelle façon de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que John, les slashers, les films d'horreur, ils s'en battaient les couilles. Lui, il voulait faire des westerns, mec. Voilà. Il s'en bat les couilles, lui, de buter des gens. C'est ça. Et malheureusement pour lui, il en a jamais fait de westerns. Il en aura jamais fait. De pur western. Ouais, ouais. Bah, c'est ce qu'il voulait, non. Il en aura jamais fait. Il sera inspiré des anciens films de Howard Hawks, entre autres, comme on l'a dit, pour mettre sa touche sur ses films à lui après. Mais en tant que western pur, non, il n'aura pas eu cette chance-là, le pauvre. Non, que dalle. Non. Voilà, donc on part. Halloween, donc c'est quoi, c'est l'histoire C'est l'histoire, c'est l'histoire, elle est simple, hein. Je pense que tout le monde connaît aussi ça. On va pas tortiller du cul pour chier droit, on va juste le résumer vite fait, bien fait, parce que voilà, tout le monde connaît Halloween. Bon, déjà la première scène. En plan séquence, elle est super. La première scène, déjà, elle te met dans le bain pour l'époque, ça devait être novateur ou possible, mec, tu vois ce que je veux dire. Donc première scène, donc Halloween, Haddonfield, 1963. Haddonfield, Illinois. Haddonfield, Illinois, c'est 1963. C'est l'État aussi. Voilà. En tant que fan des States. POV dans la gueule. Exactement. Donc, vue subjective. En mode FPS direct, mon pote. Exactement, en mode FPS, frérot. Ça bouge, ça rentre dans la baraque. Voilà, tu vois quelqu'un qui zieute quand même, tu vois. Tu vois qu'il y a une nana avec son boyfriend qui sont dans le salon, qui monte faire crac-crac. Assez rapidement. Très rapidement. Suzanne, il est tard. Il faut que je file. Tu m'appelles demain ? Très rapidement, je pense qu'il est le copain à la sœur. À Michel. À Michel, on va le dire. Ça sert à rien de tenir le suspense, tu vois ce que je veux dire. Parce que les mecs, ouais, mais bon. Oui, donc, devait être éjaculateur précoce. Tu vois. Oui, parce qu'il finit très vite. Doublé aussi par Eric Legrand. Donc, Vegeta initiait déjà sa voix aussi pour deux rôles dans ce film-là. Ouais. Donc, big up à Eric Legrand. Ouais. Et voilà, ça commence comme ça. Donc, voilà, pour ce plan séquence, hein, quand même, il faut savoir, c'est qu'ils avaient fait l'acquisition d'une Panaglide. Panaglide. Voilà, exactement. Donc ils ont payé super cher en plus, hein, ce bordel. Ah oui, tu mets ça a dû bouffer du budget, cette connerie. Ah, 70K. Sur 350 000 $. Voilà, donc c'est pas mal. Ça, juste pour la caméra, mon pote. Juste la caméra. Ah, et vous la rendez après, les connards, c'est d'accord. Ça, exactement. Ils viennent avec le combi, ils la reprennent. Ouais. C'est bon, on l'a rien, la caméra. Ouais. Allez, cassez-vous, les hippies de merde. Putain de hippies. D'accord, c'est ça. De hippie. Ah, mais cette merde, le problème, c'est qu'elle avait pas beaucoup. Elle filmait pas beaucoup d'autonomie. Elle avait pas beaucoup d'autonomie. Pour filmer, quoi, tout simplement, de bande, quoi. Donc la fameuse petite cache-misère qui passe crème, hein, voilà. Je veux dire. Le masque de clown. Le masque de clown qui trouve par terre. D'ailleurs, c'était les mains à Debra Hill, tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. Donc, parce que le gosse n'était pas dispo pour tourner cette scène. Il n'était pas tout de suite dispo. C'est ça. Et c'est Debra qui a joué avec ses potes, voilà, pour faire la scène. Bah là, on parle de Debra Hill. Exactement. On doit lui rendre hommage à Debra Hill parce qu'elle nous a quittés en 2005 du cancer. Mais sans Debra Hill, John Carpenter, on n'aurait pas eu aussi tous les succès qu'on le connaît. Totalement. Donc c'était sa copine. C'était sa copine de l'époque. C'était celle qui l'a aidé sur
tous les débuts de film de sa carrière. Elle était avec depuis Asso, tu vois. Exactement. Ce que je veux dire. Donc, elle a écrit le film avec lui, que ça soit exact. Halloween, que ça soit tous les autres après, donc avec The Fog, oui. New York. New York 1997, oui, bien sûr. Donc, non, voilà. Donc RIP, Debra Hill. RIP à toi, meuf. Repose en paix. T'es dans la légende. Donc voilà, donc ça part comme ça. Lui, il tue sa sœur. Michel ! On le sait pas pourquoi, ni et on le saura quelles pas. Sont les raisons. Et on le saura pas, exactement. Sauf qu'il a vrillé à ce moment-là, le gosse. Exactement. 6 ans. C'est ça. 6 ans. 6 ans. De merde, de merde. Faites attention, hein. Faites attention à vos gosses, bordel exactement. De merde. Exactement. Faites très attention. Voilà. Michel, salut. Hein. Michel, salut. Michel, laissez-le pas tout seul, le petit Michel. Ou alors, occupez-vous-en. Il peut-être. Fallait le sortir pour Halloween. Peut-être, c'est possible. L'autre, il était peut-être énervé aussi. Tu vois. Pas de bonbons, pas de conneries. Ma sœur qui se fait fourrer par Vegeta. Il y en a peut-être ras le cul aussi, tu vois. C'est peut-être ça. Donc voilà, il finira en asile psychiatrique. Hein. Et voilà, ça commence comme ça. Nuit dramatique, j'ai envie de dire. Très même dramatique. Pour les parents à Michel, qui arrivent quelques minutes après le drame. Michel ? D'ailleurs, on les verra plus jamais. Hein, on les verra plus jamais. Bah, je pense qu'ils ont sombré dans la dépression. Ouais. Toute la famille Myers, je pense d'ailleurs. J'imagine. Comme quoi, un drame familial comme ça anéantit des familles entières, les gars. C'est ça. Mais voilà, il va s'avérer qu'il va réussir à sortir. Donc, c'est 15 ans plus tard. Il s'est sauvé. Le mal est en liberté. Il a un certain âge, je crois 21 ans, si ouais. Je ne pas de connaître. Il est tout jeune encore. Et là, il va commencer à s'attaquer à plusieurs chez lui. Voilà. Il retourne à la maison, le mec. Il se dit, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné voir mon petit patelin d'Adamfield. C'est ça. Ça fait tellement de souvenirs. Tu sais, ça manque un petit peu de voir le voisinage. C'est ça. Et les jeunes voisines, si elles ont grandi, si elles sont devenues des femmes. Ah, les fumeuses de cône et des kiffeuses de Jimi Hendrix et toute cette époque-là. C'est totalement le cas. Donc il a bien joué. Il a eu. il a eu l'odorat. L'odorat. Michel. Voilà, il s'est dit, tu vois, 15 ans, je suis pas là, ça part en couille dans mon quartier, tu vois. C'est ça. Moi j'ai cru avoir calmé tout le monde avec ce que j'ai fait. Oui. Non, en fait, maintenant il faut que je revienne mettre de l'ordre ici, moi, tu vois. Exactement. Donc c'est un petit peu ça aussi ce qu'il cherche à faire. Je sais pas, mais possiblement. En tout cas, je Michael, c'est une théorie comme une autre. Moi je pense ça, tu vois. Mais il lui suffit d'une nuit à Michael. Oui. Il vient, il part. Et là, bon, il va s'attaquer à diverses adolescentes, surtout des adolescentes, car surtout. Il va tuer aussi des hommes. Mais des voilà, hommes, mais des boyfriends boyfriend. D'adolescentes de l'époque. Oui. Voilà. Il était assez libéré, c'est faut dire aussi. C'est ça. Et il va s'attaquer à Annie. D'habitude, tu ne craches pas sur les positions acrobatiques, toi. Hein. Mes vieux sont taillés. Oh, bah c'est formidable. Oui, la copine donc, de Jamie Lee Curtis, hein, donc Laurie Strode, les potes. Premier rôle. Voilà. Majeur surtout de Jamie Lee Curtis. De Madame Curtis. Bien sûr. Doublé par Sylviane Margoulet, hein, donc Laurie. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de présenter que c'était la voix de Marie Ingalls? Voilà. Non. Je pense pas. Que vous l'aviez tous t'as deviné. Pas les gars, t'as pas besoin. Et Annie, d'ailleurs, qui est jouée par Nancy Keys. Nancy ou Nancy Loomis. Ou Nancy Loomis. Son nom de scène. C'est ça. Rien à voir avec Sam Loomis. Rien à voir avec Sam Loomis, non. Joué campé par Donald Pleasant. Non, ça n'a rien à voir. Après, peut-être le nom aussi, tu vois. Comme Carpenter aime bien placer des noms qu'il connaît, tu vois. C'est vrai. En ref pour faire plaisir à ses abonnés, peut-être c'est aussi, ça. Tu vois. C'est ça. Donc, c'est ça. Peut-être il fait ça aussi, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Tout à son honneur. Voilà, bien sûr. Donc voilà, donc il va s'attaquer à cette Annie, qui est un peu la fofolle du groupe. Oh Polo, t'es mon costaud. Oh Polo. Après, il y a Linda aussi. Campée par P.J. Souls, ouais, qui P.J. Souls. P.J. Souls, pardon. Ah, c'est ça, qu'on a pu voir dans Carrie, elle. Dans Carrie, qui était déjà une peste. Une petite connasse. Voilà. Peste, une petite connasse. Une connasse qui cassait les couilles à Carrie. Voilà, c'est ça. Et voilà, mais justement, ils l'ont repéré là-dedans, hein, les mecs. Donc voilà. Et d'ailleurs, même Samuel Loomis, donc Donald Pleasance, devait être joué par Christopher Lee. Oui. Bah,
a été approché. A été approché. C'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir Saruman dans le game, tu vois. Ça aurait apporté un truc. Il attaquera très bientôt. Excusez-moi, mais je vous trouve plutôt terrorisant. Vous allez tous mourir. Même si j'aime beaucoup feu Monsieur Donald Pleasance aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que Christopher Lee, c'est pas mal du tout. Mais bon, je pense qu'il n'y avait pas assez de ronds aussi pour faire venir Saru à ce moment-là, mon pote. Tu vois. Mais apparemment, il aurait regretté, tu m'as dit, toi. Il a regretté. Ouais. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on dit, en tout cas. C'est ce qu'on dit à chaque fois pour faire plaisir vrai aussi, tu vois. C'est ça, est-ce que c'est ça vrai. Ça va, mec. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est sympa quand même. Donc voilà, il va sévir tout le long d'une nuit, en fait. Exactement. Oh, bah, Linda, qui est avec Bob, d'ailleurs, cette scène aussi, super avec super Linda scène, aussi. Ouais. Oui. L'arc Bob, il est super l'arc sympa. L'arc Bob est très, très, très bien. Bob joue très très bien le mort aussi. c'est vrai que l'arc Bob est super. C'est ça. Donc le boyfriend à Linda, les mecs. Exactement. Donc, il connaît pas Bob. Voilà, Bob. Donc le mec, il se fait empaler avec le couteau dans la cuisine. Et bah ça, j'allais y venir. C'était une de nos scènes qu'on kiffait bien aussi à l'époque, mec. Parce que tu voyais déjà que Michael admirait aussi. Je pense c'est là que tu vois que Michael est taré, en fait. Bah oui, non, mais moi j'avais bien kiffé ça, cette espèce de, tu vois, il bougeait sa tête, il regarde l'angle de pénétration du couteau, non, mais Michael, je dis c'est pas mal au fait, one shot je l'ai planté ce fils de pute. Quoi. Donc Nick Castle il joue à perfection, il joue la perfection, le mec qui parle pas. Après voilà, c'est pas difficile, Nick Castle, donc c'était un pote de John Carpenter qui traînait au studio. Bien sûr. Et John lui a dit, bon bah au lieu de traîner, me casser les couilles, à me rester dans les pattes, tiens, viens. Tu vas camper le boogeyman. Tiens, prends le masque. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, ce fameux masque aussi, on l'a pas dit, hein, c'est Tommy Lee Wallace, le directeur artistique, qui l'avait chopé pour 1,98$. C'est ça. Pas 2$. Il a repris les 2 cents, le fils de pute. Non, vous me rendez les 2 cents, les bâtards. Non. Tu m'étonnes, frérot. Ils avaient pas de thunes. Ils avaient pas de thunes, mec. Lâche le pourliche, putain de merde. À vous, le 100$, mec. Le pourliche ? Ça, non, j'y crois pas. Bah bref, mec. Voilà, c'est Tommy Lee Wallace qui l'avait trouvé. Donc, le masque de William Shatner, Captain Kirk. Bien sûr. Voilà, qui l'a remasterisé à sa façon. Oui, il l'a bien remasterisé. Et il l'a rendu super inexpressif, très malaisant et très Michael Myersque, tu vois. Voilà, donc, c'est ça aussi qui fait tout de tout le kiff du film. Quoi. C'est parce ça. Que sans ce masque-là, c'est vrai que. Non, ça c'était. Non, le masque, il est fabuleux. Et puis, comme il disait au début, ils étaient partis sur un masque de clown et tout. Ouais. Est-ce que ça aurait eu le même chat? Bah, il disait que c'était dérangeant, mais tout d'un coup, quoi, parce qu'il a pris deux. Ouais, c'est ça, il a fait le test, il est pas con, il a dit. Donc, il est allé remettre 2$ pour choper un. Ah là, voilà. Après, peut-être qu'il l'a retourné, il a dit, ça me plaît pas, il faut que je récupère mes 2$. Non, mais voilà, il a mis le masque. Ils ont testé, et puis il a vu que dans l'ensemble général, c'est le blanc qui gagne. Ah ouais, dès qu'il a mis le blanc, à ce qui paraît, tout le monde s'est dit, putain, fuck. Ouais, ouais, au fait, on va le garder, William Shatner, gueule, c'est super ça. On va garder sa belle gueule à William. Et voilà, donc voilà, comme t'as dit, quand il tue Bob, cette façon d'admirer son meurtre. Moi, ça, j'avais kiffé cette scène-là. Voilà. Et puis même petit galopin, Michel, juste après, tu vois, quand il se déguise en fantôme, tu vois, c'est que le mec, il s'est dit, attends, l'autre connasse, c'est là en haut. Ouais, elle voulait des bières. Elle voulait des bières parce que Bobby a fait du sale avec elle. Ouais. Très peu de temps aussi, tu vois. Dans la maison qui ne leur appartient pas aussi. En plus de ça, d'ailleurs, dois en parler quand même de ça. Bah oui, des Wallace. Des Wallace, c'est-à-dire que les mecs, en plus, ils kennent dans le lit matrimonial de la famille Wallace, qui sont là, donc c'est ça se fait pas aussi, ça, les bâtards. Bah, c'est ça. Non, les mecs, monsieur et madame Wallace. C'est quoi tout ce raffut ici? Bien sûr. Respecte pas, les mecs. Bien sûr. Bon, t'as la scène du fantôme, justement. Oui. Et le mec, il prend même les lunettes. Il prend les lunettes sur Bob, l'enfoiré. Mmh, t'as à dire. Un petit malin. Un petit joueur, tu vois. Un petit joueur. Il s'est dit, ok, ouais, je bute des gens, mais je vais mettre en scène aussi un petit peu stylé, tu vois. Même les nichons à Linda le perturbent pas, hein, t'as non. vu
Ça te va, ce décolleté? On a foutre, il est pas là pour ça. Non, il est pas là pour ça, le mec. Et pas un mot, il est pas là, tu vois, se taper une barre de rire. Oh putain, connasse, putain, j'ai envie de me marrer et tout. Non, 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 il reste droit dans ses bottes, le mec. C'est le cas de le dire. Donc Linda, elle commence à triper, elle sent où mes bières. Allez, arrête tes conneries, où est ma bière? Pourquoi tu parles pas, Bob? De toute façon, tu sais pas baiser, t'es un connard. Je vais appeler Laurie. Bon, je vais téléphoner à Laurie. Je veux savoir où sont Paul et Annie dans tout ça. Les plus courtes sont les meilleures. Elle se permet d'appeler Laurie pour dire, écoute Laurie, Bob il est parti en couille. Bob il est parti en couille. Il y a moyen que tu viennes fumer une clope avec moi ici ou je viens chez toi parce que l'autre il me casse les couilles. Sauf qu'elle a pas le temps de dire tout ça. Allô? Allô? Sauf qu'elle a pas le temps de dire ça parce que Bob arrive par derrière avec le fil du téléphone. Bah Bob, pseudo Bob. Bob version 2.0, ouais. Un pseudo Bob. Un pseudo Bob. Elle l'étrangle, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Mais sauf que là, Laurie, tu vois, elle l'entend ça au téléphone. Et d'abord, j'ai eu droit au bruit de mastication sinistre et maintenant tu couilles. Elle se dit, arrêtez vos conneries, vous m'avez déjà fait ça au début de film, les connards. C'est quoi ces conneries? Yes. Sauf que vraiment, elle part en couille. Elle commence à douter tout de suite après ça parce qu'elle se rend chez les Wallace. C'est justement quand elle se rend chez les Wallace que la confrontation finale commence. Exactement. Donc les dernières 15 minutes sont magiques. Sont palpitantes. C'est un stress permanent. C'est un stress permanent et puis la musique aide aussi beaucoup totalement. Ça. Cette musique redondante qui revient à chaque fois. Les quelques notes qui se suffisent à elles-mêmes mais qui font le taf. Exactement. Donc c'est à ce niveau-là, le thème musical de John Carpenter, de John Carpenter, il restera dans la légende pour moi, ça c'est clair. Et pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité, comme quoi tu vois, un homme, un synthétiseur. Super. José, c'était toi le meilleur. Magnifique. Donc la confrontation finale se fait... T'as Laurie qui le plante à un moment avec son aiguille à coudre. Après, il faut dire aussi que Michael s'est pas visé aussi. Ou alors fait exprès aussi pour faire durer le suspense, tu vois. Il se dit merde, si je la ken aussi tout de suite. C'est la dernière, donc. C'est la dernière. Et puis les gosses après, tu vois, il faut que je les impressionne un peu, tu vois. Parce qu'il avait déjà essayé d'impressionner aussi Tommy Doyle au début, tu vois. Il le stalkait un petit peu en mode Roman Polanski, le bâtard, tu vois, en voiture, en début de journée, tu vois, en mode police. C'est juste. Ah, mais là, il s'est dit, non, il faut que je marque les gosses, il faut que je reste dans la légende. Ouais. Donc, peut-être il l'aurait aussi fait exprès de viser à côté, tu vois. C'est possible, va savoir. Enfin bref, là, ça s'enchaîne, et puis... Voilà, ça monte à l'étage. Ça crie, c'est le bordel, tu vois, ça se cache dans les placards. C'est ça, dans le placard, d'ailleurs, c'est Tommy Lee Wallace qui portait le masque c'est à ce moment-là, parce c'est que t'avais Nick Castle, tellement qu'ils avaient pas de thunes, comme on l'a dit, les mecs, ils avaient qu'une armoire, tu vois, à péter. Non, moi, je prends pas le risque. Et puis, c'est Tommy Lee Wallace qui s'est mouillé, et puis superbe scène, ça aussi, magnifique. Scène du placard, mec, même si tu te dis c'est vraiment con comme cachette. C'est aussi con que la fille de John Matrix. Quand elle se cachait sous le lit, tu vois. Alors que Bennett était venu la chercher, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce qui est marrant dans cette scène, c'est surtout quand il allume. Moi, c'est celle qui me fait une des scènes qui me fait le plus flipper parce qu'il allume la vraiment, lumière, vraiment, et puis tu vois sa gueule. Et là, tu pourrais dire, bon, peut-être tu verrais les imperfections, les trucs que dalle. Superbe. Tu sens toute la tension qu'elle a en plus subir. L'enculé, t'as vu, il rééteint la lumière. Il dit, ses bruits, mec. Ah. Il fait ses bruits. Ses respirations. Ses respirations, elles sont récurrentes dans tout ce film-là. Pas aussi impactantes que celles de Joe Spinell, tu vois, je veux dire, de maniaque. Frank Zito.
Mais il a son petit respiratoire move aussi, ouais. Le bâtard, tu vois. Ah, c'est ça. Bon, tu vois que les respirations de Michael, c'est plus du délire. Je galère à respirer. Exactement. Alors, Frank Zito, c'est plus j'ai envie de te fourrer. Tu vois ce que je veux dire, ces respirations. Faire de la merde. Voilà, ouais. C'est ça. C'est pas la même mission. C'est pas la même respiration. Exactement. Donc, voilà. Elle arrive à le planter. Ouais. Parce qu'il fait tomber son couteau, le teubé. Oui, d'abord, elle lui crève l'œil avec le cintre. Les yeux comme un gosse. Il laisse tomber le surin et puis elle le plante. Il meurt pas, il aurait dû mourir. Bon, c'est Michael, mec, c'est le fils du diable, frère. Donc il se relève. Sa façon de se relever à la Undertaker. Exactement. Blim. Petit ref à vous, les fans de catch. Voilà. Il va s'attaquer à une dernière fois à Laurie. À Laurie. Mais là, on pourra voir un aperçu de son visage. Certaines personnes, cette scène les dérange parce qu'on voit un visage. C'est vrai que c'était ambigu parce qu'on savait pas, est-ce un homme, est-ce un être paranormal, on sait pas trop. C'était bien, et puis c'est surtout comme à l'époque, tu vois, vu que c'était en VHS, il y avait un côté différent aussi. C'est trop clean. Maintenant, c'est devenu trop propre. C'est ça. Donc Tony Moran, le mec qui a son visage, donc le mec qui monte son visage. Donc et après ça, heureusement, in extremis, le dénouement arrive avec Loomis qui arrive. Loomis qui arrive et qui fait marcher son calibre et qui fait marcher son calibre parce que voilà. Même le shérif Brackett lui avait dit, hein, Loomis, je te sens tendu. T'sais. Vous pensez sûrement que je suis un drôle de docteur. Vous devez vous dire quel docteur je suis, hein. C'est ça. C'est ça. Et non, mec, mais il avait son calibre, et heureusement. Et il shoot Michael. Comme ça. Tac, 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 tac. Il tombe. Et ça fait bang. C'était lui, le croque-mitaine. Oui, ma chère enfant. C'était lui. Eh oui, ma chère enfant. C'était lui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, bordel de merde, dans cette ville, pour mériter ça. C'est ça. Et sauf là, il se dit, je vais regarder quand même par le balcon. Et sauf que le croque-mitaine s'est fait la malle, mon pote. Il a laissé sa marque. La fin, mec, elle est super bien. Le thème qui recommence. Comme tu disais aussi, tu vois plusieurs maisons, plusieurs lieux, les escaliers. Est-ce qu'il serait encore le salon et ça se termine. Et tu l'entends respirer. Magnifique. Et tu vois à la fin sa maison. Exactement. Et ça se termine avec la musique qui revient. Où il est, bordel. Qu'est-ce qu'il va faire? Franchement, ce film, il aurait pu se suffire lui-même. Mais totalement. Même pas de suite, rien du tout. Pas besoin de savoir. Rien du tout. On veut rien savoir. En one shot, comme ça, mec. Et puis chacun refait son interprétation. Tel quel, est-ce que oui, il est sûrement encore en vie, oui, nanana, mais ça aurait été parfait de tant tel plutôt que d'essayer de massacrer ce qu'ils ont fait après cette licence, ce film, parce que sans ce film, il n'y aurait pas eu de licence, mais je trouve ça dommage, très dommage pour les autres. Ah, puis surtout, c'est ce qu'on perd dans les suites, moi, c'est ce côté stalk. Oui. Tu vois, qu'on a totalement perdu, même dans le 2, il n'y a plus ce côté stall. Non, puis on a surtout perdu le charme du masque aussi, tu vois. Le charme du masque, donc moi on me dit que c'est le même masque. Alors moi je suis totalement d'accord, c'est le même masque. On me dit que le visage de. Ah, tu parles pour le 2. Pour le 2. C'est le même masque pour le 2. Voilà, ouais, on dit que le visage de Dick Warlock, donc le porteur du 2, a une tête un peu plus arrondie, un peu plus épaisse. Ils n'ont pas le même physique. Voilà, mais. Moi, dans le 1, tout ce que je sais, c'est qu'il y a Nick Castle qui portait le masque, t'as John Carpenter qui a porté le masque, t'as Tommy Lee Wallace qui a porté le masque, t'as Tony Moran qui a porté le masque, et t'en as même un en plus, celui-là qui tombe, je pense, le cascadeur, je sais plus le nom, qui a porté le masque. La gueule était toujours pareille. Maintenant, si c'est vraiment le masque, qu'il n'y a plus le même design, c'est que le masque est déformé. Alors.
Oui, bah c'est ce qu'il disait aussi. Mais qu'on me dise que le visage de Dick Warlock après, est aussi pour déformer le masque, je ne crois pas trop. Un petit peu dans la légende aussi, il y en a qui disent aussi que c'était parce qu'il traînait aussi, tu vois, dans des coffres, des trucs comme ça. Donc il s'est écrasé, il s'est un petit peu... Parce que la couleur, je veux bien. Oui. Mais la tête, mais pour moi aussi, la même, mec. Pour moi aussi, je vois une différence aussi. Mais bon, après, ça deviendra encore plus flagrant. Ouais, bon, après, c'est plus les mêmes. Avec même. Le reste, et puis il y en a certains, mon dieu, mais tu dis. C'est plus les mêmes parce que Dick Warlock il a revendu le masque après le 2. Parce que, Enfin bref, voilà. Après, une petite parenthèse quand même avec le... ce qu'il a fait Rob Zombie, surtout le 1, que j'avais trouvé un bon remake dans le concept, ce qu'il essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Donc celui de Rob Zombie, le premier, parce que le 2 je l'ai trouvé un petit peu, voilà, ça partait trop en métaphysique, mes couilles, même s'il reste, voilà, c'est trop bourrin. Ouais, c'est vrai que même Michael dans ce Rob Zombie, bah, tu vois que c'est plus un catcher que... C'est à la Rob Zombie, mec, c'est à la Devil Reject, tu le sens, le côté mais je sale. Je valide la prise de risque de monsieur Rob Zombie. Je peux comprendre qu'on essaye de revenir un peu sur le passé de Michael. Exact. Et ça, j'ai trouvé pourquoi. Ça pas mal. Il y a juste un truc que je comprends pas, c'est comment il peut vriller d'un gosse tout à fait normal, hein, au début de lambda, et qui commence à vriller un Michael qui devient... Je trouve pas le trauma assez élevé en fait pour ce changement radical de comportement. Ouais, mais père, voilà. Ah, c'est son beau-père. Non, mais mate ton gamin, je te promets qu'il va virer Tarlouse. Quand il sera grand, je te parie qu'il se coupe la queue et les baloches et qu'il demande à ce qu'on l'appelle Michel. Michel ! Oui, mais son beau-père, il l'a pas violé. Tu vois, genre un viol dramatiquement, ça se passe. Voilà, là j'aurais compris, tu vois. Ouais, mais pas ce qu'il vit, en fait, qu'il se fasse chambrer par ses camarades de classe. Je t'emmerde, sale con. Hey, comment tu parles ? C'est pour ça que moi je t'ai toujours dit que la saga Halloween, je l'aurais bien vu en série alors. Mais ils vont foutre la merde. Ils vont foutre Non, mais ça aurait été mieux. Voilà. Ça aurait été mieux. Peut-être. Si tu voulais traiter le post-trauma de l'antagoniste et de qu'est-ce qui a vrillé justement étant gosse, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas de savoir que Michael il devient Michael après. On sait ce qu'il va faire. Mais le concept, comme tu disais, qu'est-ce qu'il a eu pour qu'il vrille, tu vois. Est-ce que c'est le manque d'amour? Est-ce que c'est un viol de son beau-père ou de son père? Monsieur Myers aussi qui faisait du sale avec le gosse, cet enfoiré. Peut-être. Sa mère qui le cogne. Tu sais pas, mec. On sait pas. Donc voilà. Mais bon. Mais voilà, donc bon, on n'a pas parlé du docteur Loomis, on n'a pas beaucoup parlé quand même. C'était son psychiatre. Hein, c'était son psychiatre aussi, et puis avec une des scènes aussi légendaires, quand il parle à l'infirmière. Totalement. Ne vous inquiétez pas, il ne parle pas, lui. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Celui-là n'a pas dit un mot depuis au moins 15 ans. J'espère que vous lui avez bien mis un shooter dans la gueule. Le thorazine. Et je veux que jamais ils sortent, quoi. Au fond, vous voulez qu'ils ne soient jamais relâchés? Jamais. Tout simplement. En gros, c'est exactement ça. Bah, c'est ça, il dit j'ai vu le mal, mec. Je vois le mal en lui, c'est pas un humain. Ça fait 15 ans que je me le coltine. Il a jamais parlé, mec. Quand je vous dis que c'est un taré, ce mec-là, c'est un taré. Pour moi, il faut même pas qu'il se fasse juger, mec. Il faut qu'il soit enfermé à vie, tu vois. Et pas qu'on lui apprenne à conduire. Dans l'hôpital psychiatrique. On conduisait fort bien hier soir. Peut-être même qu'on lui a pris dans nos murs. Exactement. Il le dit dans le directeur de l'hôpital. Plus, oui. Je suis sûr qu'il a appris ici. Mais arrête, Sam, tu pars en couille, putain. Ton mec, on va le retrouver. Il doit être dans le tiercard, dans les champs de maïs et tout. Mes couilles. Ouais. Il est tellement vénère d'ailleurs, docteur Sam Loomis, qu'il est parqué, t'as vu, dans les places handicapées. En plus, il respecte même pas. Tu vois. C'est vrai. Donc voilà. Ah voilà, mec. Il n'y a que lui qui sait vraiment c'est qui Michael Myers. Il sait le seul. Et puis la dangerosité que cette arme de destruction massive. Vous ne voulez pas accepter le fait que vous êtes en face d'un expert dans la guerre d'embuscade. D'un homme qui est le meilleur. Couteau ou à main nue. Ça, est-ce qu'on peut l'appeler encore un homme, Michael? Non, pour moi, d'ailleurs, allez, dernière question. Homme ou pas homme, Michael? Surnaturel ou pas surnaturel? Exactement. Moi, je pense que ça, c'est un petit peu de chaque, quoi. Tu vois. Moi, je pense qu'il est possédé, tout simplement, ce mec. Tu sais pas. Oui, c'est sûr qu'il y a une force surhumaine, déjà. Bah oui, parce que sinon, il meurt. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est bien, parce que ça m'aurait fait chier quand Michael parle comme un Freddy, ou Michael s'exprime. T'es faisé l'idiot. T'es faisé l'andouille, toi.
Ouais, bah c'est ça aussi qui rend le qui fait le charme. Exactement. De ce personnage. De ouf, c'est que de ouf, de ouf, de on ouf, ne sait de pas ouf. Son visage. Bon, on le voit une fois. Ouais, voilà. Mais vite fait. Mais c'est surtout fait. Que dans le premier, La Nuit des Masses, c'est tout comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement la mise en scène est tellement bien amenée, tu vois, où avec Michael ses, avec ses plans séquences est suggéré de temps en temps. Tu le vois derrière. Tu te souviens de la scène quand il sort de l'armoire là. Et tout, oui, quand on oui, voit oui. Son ah, visage. Bah oui, avec... ça, il faut que t'en parles de justement, ça. Justement, bah, c'est Dean Cundey, donc le mec à la photographie, qui avait mis un projo, tu vois, sur exactement, sa gueule, exactement. pour mettre en scène comme si les yeux humains s'habituaient, s'habituent, et puis là, à l'ombre. Tu vois la sortie, mec. C'est super, super, marrant, super flippant cette scène. Putain, de merde. Totalement novateur. Totalement très, très novateur. Fort, très, très fort. Très, très bon. Donc voilà, les potes. Halloween, c'est un film, nous, qu'on adore, hein, les mecs. On adore, je pense on adore, mais que c'est même pas qu'on adore, c'est qu'on le valide fort. Je valide, avec validation. Que, totalement. Bah, c'est notre boogeyman préféré, les gars. Donc, on peut pas tester avec Michael. C'est, pour c'est nous, en ça. Tout cas, c'est le cas. Donc, peut-être, c'est parce que, voilà, c'était peut-être notre premier slasher, on oui. va dire. Donc, c'est lui qui nous a traumatisé le premier. Donc, voilà, on lui doit tout à Michel. Ouais, vrai. On le kiffe. Donc. Il nous a fait mouiller des slips. Les potes, maintenant à vous de jouer, les gars. Donnez-nous vos putains d'avis, vos commentaires, c'est ça. Vos trucs. C'est ça. Dites-nous, vous validez ce putain d'Halloween 78, vous validez les suites, ou pour vous c'est de la demeure, et puis voilà. Il faut que ça s'arrête. C'est donc ça. On vous attend dans les commentaires, les c'est potes. Ça. Lâchez le pouce, l'abonnement, c'est ça. Le partage, et puis le on partage. Se retrouve tout bientôt. Et bon Halloween à vous, la famille. A plus, ciao. Les mecs. Salut ma couille, c'est Paul Hogan, alias Mick Dundee. Je tenais juste à faire passer un message en direct de Woodbruce Creek. Si cette putain de vidéo t'a plu, oublie pas de mettre le pouce bleu, bordel, de commenter, de t'abonner. Ça leur fera plaisir. Allez, à plus les potes.